Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est reparti sur Project Diablo 2, où nous avons fini la normale et on passe au cauchemar. Alors j'ai exploré rapidement, c'est juste que je mettais en place un truc, de sorte à ce que sur votre écran vous ne voyez pas le mot de passe de ma game, puisque bah, quand tu stream c'est pas ouf. Mais rien de plus. Et donc c'est parti pour l'acte 1. L'acte 1 qui va être relativement facile, hein. Comme vous pouvez le voir, on se bouge. On manque un peu de dégâts, mais ça se passe bien. Mon objectif pour le moment, c'est de finir. L'acte en étant au moins niveau 30, vraiment dernier niveau. J'ai bien fait le bécile. Oh la vache, l'XP déjà 20%. Ah, on peut se taper dans les plaines gelées. Et ils ont enlevé ça la saison 1. Ah oui, d'accord. Ouais, le laquais. C'est trop vrai. Donc là, ouais, je rigole, mais faut pas que je me fasse toucher. Oh, ça commence à être tendu là. Mais il y a trop laqué. Il y a trop laqué. Voilà. Putain, je suis con, il y a un fossile au feu. Quoi? Ça n'a aucun sens, il se perce. Bon, attendez, je vais me barrer là parce que là, il y a trop de résistance. De résistance tout court, hein, dans tous les sens du terme. Alors, mes résistances, par contre, elles sont. Il n'y a pas de résistance chez moi. Bon. C'est pas grave. Enfin, pas grave. Ça dépend pour qui. Alors, pom pom pom. Voilà, je ne suis pas planté cette fois-ci. C'est à droite. Allez. Par rapport au portail pour les champs de pierre. Ah oui, mais non, mais tout de suite. S'il résiste à tout aussi. Hein. Non, mais d'où il me tape d'ici? Je sais que les serveurs sont en PLS, mais... Jamais s'échappe, putain, Frost Nova. Et donc j'avais dit niveau... Alors, je vais le faire 28, 29, 30, 28, 29... Ah mais non! 28, 29... Attends. Il en sort bien même, 28... 29, 30. Ah! Ah non, j'ai pas besoin de ça. Parfait. Donc. Ouais, donc je n'améliore plus rien pour le moment. Ah oui! Par contre, ça c'est vrai. C'est un type de. Il me faudra Horde Sol. Sol. Bon, une fois que je drop, je crois que c'est la 13. C'est
pas ouf parce qu'après tour c'est la dixième. Oh ouais, faut le temps. Parfait, le portail. Écoutez, je vais quand même délivrer Kane. C'est vrai que j'ai le choix. Oula. Alors il faut que je fasse gaffe, quand même, je suis plus puissant qu'en normal. Je me fais aussi plus défoncer qu'en normal. Attendez. Quand même prendre quelques potions de mana avant d'y aller. Ouais, alors pourquoi je ne fais pas la quête? Parce que je veux. Alors je sais plus comment exactement comment ça marche. J'ai jamais trop su, mais je crois qu'il faut pas activer les deux quêtes en même temps, sinon on peut pas se restart deux fois. Je me trompe peut-être. Si on va peut-être garder. J'étais sûrement des bêtises. Ah oui, je voulais faire ça aussi. Voilà. Mes deux seules résistances au type 30. Je rigole. En vrai, un cauchemar, bon, c'est pas trop grave ces résistances. Quand on en enfer, ça va très mal se passer si j'ai pas de résistance. Voilà, c'est moi qui m'a pas touché. Je vois le sub déjà gelé. Oh, il est là. Allez. C'est vraiment ça le boss aussi. Ah, il y a pas l'air de boss. Peut-être ici. Ça vaut cher ça. Hop, c'est tout. Et du coup, je me pose la question, comment ça ils étaient sur qu'est-ce que je jouais froid feu. Alors ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas jouer avec les glaces, je peux avoir de glace. Les deux glaces, comme vous pouvez voir, c'est surtout, bah, il faut max. Ah non, les deux, il faut maxer deux sœurs. Ah, je crois qu'il en fallait trois pour avoir de plusieurs. Enfin, ceci dit, ça ne change pas ce que je voulais dire. Je jouais avoir de glace pour la raison suivante. Voilà, je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi il faut jouer à bord de glace si on fait multi-élément? C'est parce que, comme vous pouvez le voir, 4%, on augmente 4% les dégâts de frozen, de hors bord de glace avec, quand on améliore les sorts suivants. Tandis que plus glace, c'est 12%. Et le problème, du coup, et le suivant, c'est que Blizzard, si on max niveau 20, en fait, il fera beaucoup moins de dégâts que si on améliore Ice Blot et Glacial Spike à côté, parce que ça augmente quand même de 12%. C'est-à-dire que niveau 20, chacune, ça va augmenter. Du coup, 240 chacun, de 500%, bah, enfin 480, mais on a 500%, ça multiplie les dégâts par 5. Donc il faut l'améliorer. Tandis que Frozen Orb, c'est 4% du coup. Si on fait niveau 20, les Ice Blood et Ice Blast, ça va augmenter les dégâts de 80%. On passe de 500% à 80%. Pour ça qu'il vaut mieux améliorer, mettre 20 points dans Frozen Orb, qui aura un peu moins de, enfin, qui aura un petit peu moins de dégâts, donc lors de 80%. Que mettre 20 points dans Blizzard qui lui aura 5 fois moins de dégâts que si on en mettait dans d'autres sorts.
C'est-à-dire qu'en fait, Blizzard, en fait, c'est un sort qui est fort une fois qu'on a maxé tous les autres sorts. Contrairement à Frozenorm qui augmente que de 80. Enfin, que, c'est déjà pas mal, hein. Qui est déjà fort de base avec uniquement 20 points de vente. Après, la question, c'est surtout, est-ce que je joue feu? Enfin, oui, je joue feu, mais est-ce que je joue combustion, hydra, météore? Pas pourquoi je vais là, ouais, c'était juste là. Honnêtement, je pense que je vais partir, mais pas météore, justement, hydra, comme j'ai dit au départ. Je vais peut-être changer, on verra. Bon, c'est pas qu'on a. C'est pas que les ennemis sont nuls, mais quand même. Hop. Oh! Ah, c'est pas dégueu. Je peux même l'utiliser pour avoir une armure. Bon, là, mon armure, le problème, c'est qu'elle sert pas à grand-chose. Pour une armure de glace, surtout, ça augmente. L'armure de glace, surtout que ça augmente notre armure. Et vu que j'ai quasiment zéro. Donc... Il est mort, quand même? Ah non. C'est à partir de ce moment-là aussi, j'ai quand même commencé à faire attention à mon MF. Hein. Très bien que je sois. J'ai au moins 100% de MF. Pour augmenter mon drop. Perfecto. Bon, on va aller au maraîchon, etc. Alors, j'ai vraiment mal comme ça, on s'est fait au milieu. Oh, il y a mieux claqué là-haut. Ah non, c'est le champion. Ouais. Oh, il y en a des bûchers. Il est toujours pas mort à l'archer. Oh, il a crevé. Ah, c'est bon. Ah, il est mort. Là, c'est fini. Comme vous pouvez voir, ça c'est pas si vieux que ces multi-éléments. Après, dès qu'on arrive en enfer, c'est souvent le multi-élément, c'est souvent l'enfer qui le détruit parce que les mobs ont vraiment trop de vie. Et trop de résistance. Oh, flawless. C'est vrai que les diamants peuvent valoir très cher, surtout en début de saison. J'ai déjà vu des gens changer une IA contre 200-300 perfect gems. En début de saison. Ce sont les gens qui veulent rush, effectivement. Par exemple. Rush le clan de diamants. Je prends même pas les potions de mana, je suis tellement fou. Est-ce que je fais la comtesse? Non. Je la ferai peut-être tout à l'heure rapidement. C'est vrai qu'il me faudrait hors sol pour appeler ça aux aptitudes, mais bon. Allez, on va dire qu'on va drop ça quelque part. Je ferais juste drop Loom aussi. Bon, le mot unique, petit plan d'air. C'est comme ça que ça s'appelle. Je suis sûr.
Comme vous pouvez le voir, hein, au cauchemar, ça va vraiment vite. Hein. Allez, c'est surtout la foule. Hein. Je vais voir. Et tout, alors, les éclairs qui me touchent, c'est pas trop doux. Ah, c'est épais, ok. Ah ouais, et ça c'est de 3, non, pas du tout. Parfait. Ouais, oui. Ouais, la résistance foudre. Mais c'est pour ça qu'Hors Sol c'est bien aussi, ça donne la résistance foudre. Peut-être rush Hors Sol quand même. Ok, donc on va aller au black. Ça marche vite fait. Ah, mais je peux pas. J'ai déjà un portail au champ de pierre. Et oui, je l'avais oublié. Lui. Je suis au 29. Parfait. Alors on va monter un jour la force. C'est un gros costume sur des très très bons items que je puisse pas utiliser parce que là j'ai pas cette force. Ah, j'ai pas vu la flèche. Ah oui, cold plus light. Hop, là, une résistance aux particules. Oh, bon, ça va. Oh! Je sais pas ce que je peux faire avec les WSS, mais je peux commencer à trade. Hein. Il y a un truc assez utile. Genre, Poison, je sais pas quoi, le chapeau de plus, juste à tous les stats, aux aptitudes, etc. Le chapeau en fait, version jeune de WM. Ah là c'est bien que ce soit les deux anciens parce que les deux sont là-dessus. Ah, ça fait très cher. Alors lui je sais pas où il est mais il allait se TP. Qu'est-ce qu'il fout le laquais ici? Un laquais ici. Ok, il était juste paumé. Ceci dit, ce que j'aurais pu faire effectivement, ce sont les co en normal, faire quelques runs de co. Mais bon. Et voilà, c'est fini. Que pour le coup, je vais peut-être plus utiliser des carcanes quand même en cauchemar. Parce que par exemple, en cauchemar, un truc classique qu'on peut faire, c'est farm Mephisto. Surtout avec une sorcière. Oh, bien! Pourquoi Mephisto? Parce que Mephisto est le boss qui a plus de chances de drop un Oculus. Alors, pas le casque virtuel, l'item sorcière qui est assez fort, qui peut donner jusqu'à plus 3 tous les aptitudes, 50, peut-être pas 50, je sais plus combien de vitesse sort très rapide, et 10 à 25 graises. C'est pas inépuisable quoi. Oh, c'est vrai qu'elle tape froid. Alors, on est à gauche alors. On rentre par là, à gauche c'est là.
D'où on me tire? Ouais, c'était là. Hop. À gauche. Oh, c'est pas vrai. Ouh, ça commence mal. Heureusement, je suis pas des hardcore personnages. Oh. J'en ai déjà fait des hardcore, mais après, j'aurais clairement maxé mes réseaux les autres. Oh, mais c'est pas vrai. Parfait, voilà, j'ai bien augmenté mes dégâts, regardez bien. Voilà. Voilà. Là, ça fait plaisir. Enfin, niveau 30. Ouf, tourner à gauche. Au cas où, on ne sait jamais. On rentre par là. La gauche, c'est là. Okay. Comme vous pouvez voir, en fait, ce que débloque sur le bord de glace, c'est sa vitesse d'incantation, qui est vraiment largement supérieure à celle dans Project Diablo 2. Et dans Diablo 2 normal, pardon. Alors, la comtesse. Déjà, on va se barrer d'ici. Oh, elle en retrouve, ok, bon, on va faire finir. Tulle. Bon. Bon, j'aurais espéré. Près du premier coup, une stop quand même. Pareil. Sérieux, c'est ça l'impression qu'elle donne. Moi, je me casse. Well done, my friend. Je pense qu'ils doivent quand même rager au fond d'eux. On est censé se dépêcher pour choper Diablo. Pendant ce temps, on cherche des putains de trésors. Oh, mais alors là, ça, c'est du blé. Je me trompe toujours. Je crois que c'est là-bas, mais bon, je peux aller là. Okay. Mais c'était là. Moi, je comprends plus. Il y a trois positions du portail. Selon les positions du portail, ça donne où est la porte. Mais bon, vous, ma mémoire. Non, ça, quand j'étais petit, quand j'avais compris. Mais j'ai oublié tout. Bon.
Non, j'avais tellement de blé, j'en ai plus. Sais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'ai pris cher. Alors, si je comprends bien. Ah, je sais pas ce qui va résister. Et je le poutrerai. Oh! C'est nul, mais si je fais un paladin, ce que je compte faire, ça dépend ce que je drop, mais ce que je compte faire, There was c'est pas magic trop mal. here. It's long gone. Alors, je suis plutôt à gauche. Ah, mais la gauche, c'est le portail. Tant pis, on va essayer. Ouais, c'était le portail à gauche. Du coup, faut que je retourne à gauche. Par rapport au portail. C'est ici. Parfait. Donc, comme je vous ai dit, en fait, quand on rentre ici, on va par ici. À notre gauche, c'est par là, du coup, quand on rentre. Par là, notre gauche. C'est la direction du portail. Et pour la même chose du portail, quand on rentre du portail, il faut la gauche, comme c'est ici. Alors, ce que je vous dis, je sais pas si ça marche à tous les coups, mais comme vous avez pu voir, en tout cas, ce coup-ci, ça a marché. En normal, ça avait marché aussi. Là, c'est pareil. Je vais essayer de tourner du coup l'entrée par là. Je vais à gauche par là. Pas exactement ce que je voulais comme frame, mais bon. À gauche. Oh là! Ah non, c'est ça qu'on. Oui, c'était pas la normale à gauche, c'est même là. On retourne à gauche d'ici. Oh là là. Donc, la prison numéro 2, il faut aller tout droit. Comme la 1, il faut aller tout droit. Et que la 3, il faut aller à gauche. C'était bien tout droit. Au cas où, parce que je me TP quand même un peu comme une brute. Aller à gauche. Ah, je me prends tous ces trucs, je suis mort. Pas pris un, donc ça va. Oh, sinon que c'était en froid. Je sais pas pourquoi je vais arriver pas bouger. Eh oui, c'était bien gauche. C'était loin quand même. Hop. Non. J'ai one shot avec le voyage, je vois. Pourquoi je lag autant après un coup de vacances? C'est vraiment bizarre.
Ah ouais, c'est mon amour de glace. Non, de temps en temps, je bug, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est là que je suis niveau 31, je vais dire qu'est-ce que j'aime lire. This place chills me to the bone. Oh putain, je pensais que j'étais hors de portée. On ne sait jamais. Hop. Et non. Allez, on passe en force. Quoi? Mais écoutez, hein. Ah si, j'ai vraiment fait une catacombe niveau 2 aussi rapidement. Ah bah, niveau 4, c'est rapide aussi. On se débarrasse de celui-là, comme ça, voilà, on est peinard pour qu'on arrive. Vous dis, je suis pas encore sur le tapis. Ouais, je suis sur le tapis. Et je crois que t'as peut-être encore en froid. Ouais. Hop, on recharge. Putain, qu'est-ce que ça peut être quoi, un boss? Non, je me suis trompé de sort. Ah, c'est bon. Ah oui, c'est un poison sûr. Je pensais qu'il durait beaucoup plus longtemps que ça allait. Ah oui, c'est vrai qu'on peut l'avoir maintenant un cauchemar. Pourquoi ce reste un cauchemar? The evil queen has fallen. Alors, si je vous conseille maintenant, parce que le cauchemar sera une prière, ce qui est autour de l'Andarian, si vous voulez la farm. Oh oui! Ah, mais voilà! Oh, mais si, c'est bien! Ah, mais trop bien! Moi, ouais, Silver Roll Max, ça a été vraiment un truc extraordinaire, mais là. De la vie, Faster Recovery, Résistance. Tout
tout est parfait. Si je pouvais juste avoir résistance foudre au lieu de poison, ça serait parfait. Ouais, lightning, c'est vraiment une catastrophe. Ouais, là, j'ai l'impression qu'il n'y aurait rien. Oh, small charge, j'en ai bien tout à l'heure, ce que j'ai oublié. Ah, ouais. Oh merde, fait, je vais pas, de toute façon, je vais pas la farm. Pas la farm en cauchemar. Ah, j'ai déjà identifié. Le 104% lui 60%. Ouais, c'est pas mal si je suis un peu là pour le départ, mais moi. Ah, mais non, ouais, ça va servir à rien. Un paladin. Ah, si, paladin skill level, donc ça va te servir. Ça va servir à rien. Ah, bah voilà, c'est bon, j'ai ma première résistance. C'est officiel. Première résistance au poison. Ça, je peux garder, mais c'est vraiment pas. Oui, je peux mettre la chouette. Voilà. Bien plus vite. Qu'est-ce que je vais améliorer? Bon, on fera un sur deux. De toute façon, dès que je vais. Ouais, 80 à 100. Je suis à 400. Ça vaut quasiment déjà le coup de prendre l'hydrate tellement c'est fort. C'est fou en vrai. Je suis niveau quoi? 31. Allez, on va faire finir avec. Adjuria, je me restate. Adjuria, je me restate. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire quoi que ce soit. Et je vous dis du coup à la prochaine sur un nouvel épisode ou un nouveau stream de Project Diablo 2 avec cette ensorceleuse qui commence à quand même avancer vite. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!